vous attends devant. Ok. Tu trouves pas qu'on a trop de devoirs? C'est clair, ça fait beaucoup pour demain. Tu vois, tu dois. Eh, regardez ce que je viens de trouver. C'est quoi? On dirait un journal intime. Tu vois? Attends, c'est privé quand même. Peut-être qu'il faudrait pas le lire. Détends-toi, si on regarde pas, on saura pas à qui il est. Laisse-moi regarder. Faites attention, c'est intime quand même. Des stress, on le lit après on le rend. Eh, mais c'est une écriture de fils, hein. Ouais, on dirait, mais regarde, il y a une place du match au Vélodrome. Obligé, c'est un garçon. Ça veut rien dire. On va bien voir. 17 février 2018. Cher journal, aujourd'hui, pendant le cours de français, je me suis senti mal car on s'est moqué de moi. Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il s'acharne sur moi. C'est peut-être parce que je ne suis pas comme eux. Peut-être plutôt parce que je n'aime pas les mêmes choses qu'eux, pour être plus précise. Oui, j'aime le foot et alors? Ils disent que je suis différente. Je ne me sens pas différente. J'ai juste des goûts différents des leurs. Peut-être parce que... Tous tes vêtements étaient sales ou quoi? Tu t'es habillée n'importe comment ce matin. Ah ouais, c'est clair, tu fais pitié comme ça. Moi, une fille habillée comme ça, je lui adresse même pas la parole. La vérité? Ah. Ouais, mais c'est Loan, t'as raison, c'est une fille. Arrêtez, c'est pas sympa de faire ça. Vous aimeriez qu'on lise votre journal? Attends, attends, je continue, histoire d'être sûre. 18 février 2018. Cher journal, ce matin, j'ai croisé Anaïs à la gare. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, alors qu'il y avait plein d'autres places. J'avais envie de lui dire tellement de choses que je suis restée muette. Ma gorge s'est serrée, mon cœur battait à toute allure et j'avais des papillons dans le ventre. Elle m'a souri. On est resté un petit moment sans rien se dire. Puis les autres sont arrivés. Elle s'est levée très vite pour aller les rejoindre et m'a laissée seule. Non, Loan est l'amoureuse d'Anaïs? Oh là là, le scoop! Mais je les ai jamais vus ensemble, c'est bizarre. Mais arrêtez, ça se fait pas. Loan est amoureuse d'une fille. J'en étais sûre. Continue, continue. Voilà, je vous l'avais dit, donnez-moi ce journal. Maintenant, on va lui rendre. Attends, attends, elle parle de moi, alors. 20 février 2018. Cher journal, ça y est, je suis à bout. C'est encore pire qu'avant. Je voudrais disparaître. Il s'acharne sur moi. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est qu'Anaïs les laisse faire. Si seulement il pouvait comprendre que chaque différence est une richesse. Si seulement je pouvais tout changer en un claquement de doigts. Si seulement un simple geste pouvait tout changer. Ça va, tu t'es pas fait mal? Non, ça va, merci. Tu tires le penalty? Oui. En raison d'une avarie technique, le trafic est très perturbé sur l'ensemble des lignes. Bon, ben on y va à pied? Ben, on va. Moi, c'est fini, je te donne plus la parole. Moi non plus. Grave. Alors, on a peur de la défaite? On verra bien sur terrain qui sont les plus forts. Tu parles, on n'en fera qu'une bouchée de votre gueule. Véridique sur le terrain ce soir? En attendant, chacun pour soi. Hé, Loan, c'est pas toi qui as fait tomber ça? Merci. De rien. Bon, on fait quoi?